Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Une vidéo aujourd'hui sur un tuto comment fabriquer une liane, donc faire une belle liane à ce qui ressemble au naturel, vraiment avoir un aspect super sympa et pour un moindre coût. Voilà, allez, c'est parti, c'est mieux. Alors, il vous faut pour ça donc du silicone transparent, il vous faut des gants One. Et tout et 2,5 qui font 10. Donc avec là vous avez la possibilité soit avec de la corde naturelle soit avec les lianes qu'on trouve dans le commerce. L'avantage de ces lianes c'est qu'elles sont totalement modulables, on peut vraiment les façonner à sa façon. Donc le but c'est de faire avec tout ça de rendre cet aspect là, c'est à dire avoir une vraie liane. Donc celle-ci je l'ai faite ce matin. Voilà, donc on va faire un essai avec vous. On va prendre du silicone. Donc on va ouvrir un petit peu plus le bouchon parce que je pense qu'il est trop petit. On va pas se couper. Voilà, donc ensuite on prend, j'avais commencé celui-là, on prend ça, on prend le silicone. On n'hésite pas à en mettre. Voilà, ensuite on étale de chaque côté, on répartit bien. Donc moi je vais en faire avec ce câble là et de la petite ficelle juste décorative. Voilà, ensuite on prend donc de l'humus de coco ou du compost de coco, par contre il faut qu'il soit très 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 sec. Donc ensuite qu'est-ce qu'on fait? On écrase. Toute la partie où on a collé, on a mis le silicone transparent et voilà ce que ça donne. Donc c'est tout, c'est vraiment tout bête à faire. Après il faut attendre, moi je vais laisser 2 jours à sécher pour bien que le silicone imprègne bien le l'humus de coco ou le compost de coco. Et puis voilà, donc ça fait, franchement c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça prend 30 secondes, je vais vous le faire sur une corde. Voilà, on prend le silicone toujours, on en met beaucoup. Alors hop, c'est parti. Donc c'est un peu long, mais bon, c'est vraiment sympa quoi, parce que ça vous permet de faire vous-même vos propres lianes et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Voilà, donc on a bien mis du silicone à droite à gauche sur les deux manches. Hop. En plus c'est ludique, ça c'est sympa. Et ben voilà. Donc ça vous fait une liane qui est quand même presque naturelle, parce que vous voyez, hein, l'effet dédoublement, après vous pouvez refaire un petit nœud ici, tout ça, en faire prendre un morceau, vous voyez l'aspect. Donc après maintenant il n'y a plus que attendre que ça sèche, et une fois que ça sera sec, et ben après vous aurez votre liane à accrocher. Donc comme je vous le montre, c'est pour mon futur projet, donc je suis en train de faire un terrarium de 90-45 par 90, et ça va me permettre de le mettre à l'intérieur. Et voilà, donc vous voyez, maintenant, franchement, au niveau aspect, on peut pas dire que ce soit pas sympa. Alors après, on va pouvoir la moduler comme on veut, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, et le tour est joué. Et voilà, on enlève les gants, on les met à l'envers.
hop, c'est fini. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez vu, c'est un tuto quand même qui est assez simple, qui est à la portée de tous. J'avais envie de vous le montrer parce que j'ai découvert ça sur internet et je trouvais ça génial. Donc c'est sur une chaîne étrangère, donc je me suis dit pourquoi pas l'adapter et l'expliquer moi-même à ma façon. Vous avez possibilité de le faire avec des cordes, avec des lianes, avec une tige en métal à l'intérieur qu'on achète dans le commerce. On a possibilité de le faire avec des bandelettes de tissu tressé ou de la toile de jute. Donc on peut le faire avec vraiment plein de matériaux différents pour avoir un très très bon rendu. Voilà, la vidéo se termine. Pensez au pouce bleu, pensez au partage et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Celtic Reptile. Bye bye.